Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que nous avec l'équipe Bombard Media là depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous pas développer deux points pour une information, mais avant nous faire ça, équipe Bombard Media là voulait remercier tout le monde qui toujours branché Bombard Media là pour information pays. Et un gros merci avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombard Police, équipe Bombard Media là, nous apprécier ça. Et si c'est première fois visiter nos informations, nous partager intéressé ou pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Et bien nous pas perdre de temps, n'a déroulé avec information. Yo! On ouais. Premier ministre pays Joseph Jout visite vendredi 29 mai, ministère jeunesse sport et action civique là MGSA. Chef gouvernement promet qu'il va travailler pour accompagner ministère ça si tout n'en permet lui répondre à revendication contre actuel yo. Et l'autre information nous gagne pour porte-parole inspection générale police nationale d'Haïti, Joseph Vital présenté vendredi 29 mai. Yon bilan sous différents dossiers IGPNH traité dans semaine qui sont passé là yo. Li fait qu'on est pas gagné en pile dossier qui traité pour moi mais à cause des maladies qui a propagé dans pays. C'est information ça nous gagne pour nous pas perdre temps, n'a pas commencé coulier. C'est occasion pour le Premier ministre Joseph Jout rencontrer employé contractuel ministère jeunesse sport et action civique pour tenter de l'éloigner. Chef gouvernement annoncé avant longtemps, il y a une mesure qu'il prend pour porter réponse à la revendication. Nous avons l'avance d'appel d'appel, libre de transformer l'appel d'appel en l'état de service. Mais si nous ne pouvons pas faire service dans l'état, c'est pour ça qu'il y a un peu de temps. Président, donc il y a un travail que vous faites, parce qu'il faut qu'on change la vie, il faut qu'on change la situation, nous avons servi l'État. Et puis c'est le sable qui a fait l'État pour mener le total dans l'état de service. Il conscient de ça. Probablement, c'est ça qui fait parmi tout le monde qui le paye. Il fallait qu'on puisse. Le ministère de la ministère que nous avons suivi de très près pendant le ministre de l'Environnement, parce que nous avons installé quelques jours avec l'ancien ministre. Moi, je vais quitter le ministre de l'Environnement, ma petite contractuelle, parce que nous avons eu la chance de faire un réaménagement budgétaire, mais nous avons pratiquement tout à fait. Et nous avons eu la faire une amélioration pour tout personnel de la plan depuis 25 ans. Je vais aux promotions, chaque témérité, dépendamment de qui niveau il est. Seul ça qui nous était comme dette, c'est que le marque est en rien, nous qui nous voulons des directeurs et pivots. Mais pour ce ça avec nous, nous-mêmes estimons que barème, parce que le ministère n'a pas oublié ça, il y a un barème, mais tant que le crime est immobilier, l'envoyé, il y a une pension de 15 000 euros, on ne peut pas faire un bon pas faire pour le barème, parce que le crime est immobilier. Ou la sorte de tout maladie, la situation, sel, poivre, pomme de terre. Mais vous trouvez qu'ils ont gardé. Aussi dans la taille, bon, t'as qu'à avoir une consultation, c'est madame de qui connaissance ça, qui consultation dans la taille, donc aussi dans la taille. Pas ce matériel, on l'a. Si vous voulez tout le monde, qui est un petit personnel, qui est un choisi, qui travaille à son côté, pour le tribunal de sacré, pas de force de conversion. Avait dit, de toute façon, on finit de la misère et le remonté, probablement c'est 4 jours dans le monde de l'hôtel. Ça, c'est la vérité. Là maintenant, l'histoire de l'hôtel est de nouveau là. Il y
gens qui pensent que il y a des politiques irresponsables, que le premier ministre, le premier ministre, comme président par le monde du monde, ils viennent travailler dans l'institution, ils travaillent dans le budget de l'institution. Et puis carrément, ils mettent en l'eau le programme. Pas très bien, pas parler. Et nous parlons de tout ça qui faut content. Et bien nous sommes là. Deux mouns qui ont créé les opérateurs, qui ont été contraires. Les opérateurs, nous avons commencé le 1er octobre, les finis 30 septembre, un jour. Et alors, les contrats, on va voir ma tête. Contrat ça, les pas renouvelables, pas tacite de production. C'est pour moi les fiscales qui ont développé. On va dire que vous avez 20 ans, 10 ans, 30 ans de travail. Non, vous avez une année. Chaque fois que vous commencez, vous avez une année. Combattre la vérité, son aberration. Si vous êtes beau comme contractuel pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 10 ans, mais vous êtes à nous montrer. C'est parce que l'État mal marché qui fait ce qu'on s'allie. Nous ne pas traiter nous pour ça. Comme vous la vérité. Si vous avez 10 ans de contractuel, moi-même, je vais vous faire 8 contrats, 3 contrats, 5 contrats venus pour signer avec l'État, approuver par la Cour supérieure des comptes. Parce que le ministre, le premier ministre, mais on plume pour parler de l'acheter sur la Cour supérieure des comptes, pas autorisé à acheter. À moins que nous ayons une petite urgence, j'en ai mis pour rien. Depuis que le contrat est approuvé par la Cour supérieure des comptes, si le ministère a fait des mouvements pendant 5 ans, pendant 10 ans de travail, il va nous mettre. Parce que lorsqu'il prend, ou fait sous cette tout petit sang qui vient encore, son contractuel lié, il n'y a pas de pension, il n'y a pas de gagner. Alors j'ai des mieux, à ton contact de son tour en gros, qui va te gagner. Eh bien, le ça, c'est une justice, pour pas bien maturité. Pour quatre lieux, je souhaitais que je me contrôle. Et je me plaise de ça. Je me mets pour gagner, je me découvre maintenant. Pour le ministre en faire mission, pour me payer le monde que je dois, parce que écoutez, l'État c'est le pouvoir lié dans tout pays. Accompagner le peuple, ça c'est pour le cadeau. C'est donc son père de famille. Pour des petits tout la carrière, pour t'appuyer un peu, pour déclarer une baguette comme qui nous aurons. Si nous nous battons des têtes, c'est dégageant, on ne bat pas dans la rue pour nous manger, si nous nous disons ça lié. Avec dit, je dis à la, en tant que premier ministre, je n'ai pas le droit de dire que je ne vais pas payer. Je bat la rue, on va prendre le contrat. Mais, je viens pour le premier ministre, je viens nous donner une privilège avec le baguette. Eh bien, ça c'est actif. Il y a des fois que notre premier ministre fait, mal va les lancer sous yo, mal va l'inaugurer, et va là où t'as fait. Mais tout, après ce qu'on voit, il y a des mouillères bon. Ça c'est mouillères bon, je ne vais pas dire que je ne connais plus. Mais, il faut que l'on garde la loi. Lorsque l'on a fini le 30 septembre, pour chaque commune de travail, je vais aller pour chaque commune de travail. Pour être là, en attendant que vous renouvelez le contrat. Si vous renouvelez, vous ne pas dire que vous finissez le 30 septembre, année passée, et bien je vous dis à vous dire le contrat actuel, sur qui base. Pour le contrat. Parce que l'argent de l'État va dépenser pour ça non plus. Parce que le premier ministre, et bien vous fouillez même là, il fait sembler de me lever cadeau. Non. Gagner principe pour dépenser l'argent de l'État. J'ai mis à parler pour la méthode de toutes les revendications. Mais généralement, mon cap parler pour eux, c'est une autre illégalité. C'est ça, mais après, nous devons entrer dans l'État en 2017. Bon, pour là, on va toucher. Après, pas de problème, ça va gagner. Parce que vous pouvez faire un mot pour vous dessiner. Je ne vais pas me faire un papier. Je vais me faire un pays. Je vais me faire un pays. Mais je vais me faire un pays. Ensuite, le ministre, mettons son notaire, vous connaissez bien, vous ne pouvez pas toucher. Il y a un pays étranger.
gen timoun mi, gen se zombi yoye, mba kon si gen 509 de, men gen se zombi, zombi yo, fon netwaye, fon netwaye pe wawwa, se pe wawwa la patoun, mwen konen patoun, de ven nan misè, mwen mwen mwen, mwen 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 isi trabak diferon, des groupes de politiciens qui mettent leur tête dans l'institution, mais c'est ça là pour nous, pas encore mis en place. Un, il va respecter les compétences. Deux, à faire une carrière comme si on ne pas les bailler comme ça. Là, pour les côtés missiles, les côtés camps, les mettre sous tête, les cadres formés, qui ont plus d'expérience, qui ont plus de compétences, et qui ont porté l'institution. Eh bien, Martine, vous voyez, sur l'université présidente de l'Ouvert, m'a lutté contre ça à toute force. Merci mon Dieu, ma mère est là, merci. Président dit, nous avons 4 ans pour nous travailler dans le cadre de la loi. Si le bateau m'a appelé, la ville dit monsieur, barre mon corps, et puis à ce moment-là, m'a dit merci beaucoup monsieur le président, ce sont des bonnes fêtes, me servir, payer mieux, me servir tout. Loyalement, avec un pile compétence et un pile recul. Et il m'a bien content les valides. Mais tout le monde, le président, accepte le premier ministre, m'a travaillé envers et contre tous avec la loi. Elle avait dit, tout le monde est bien. Et a couché. Mais tant que ministre, assurez-vous que l'histoire va mieux, il supporte pas des contrats. Assumons pour nettoyer le ministère de pile monde, c'est des sinécurioyés qui parfois ils passent pour chacun régulière et chaque mois. Eh bien non, si nous n'avons pas gagné la produit, tout le monde a touché son travail richesse, son travail bien, c'est l'inflation pour payer le pays, et c'est sa propre cadeau de douleur. L'homme des ministres qui nous quitté le 94 jours, je viens de demander le sentiment. Lorsque vous devez acheter quelques dollars, 107 gouttes étaient payées. Ça avait fait mal, puis le gouttes de même, et puis vous devez se 5 000 dollars et vous gâtez le 800 000. Suspendre l'inflation dans le pays. Suspendre malgré cadres. Nous dans l'école, nous qui pour le résultat, qu'on a supporté des gens qui va la politique du pays. En rien. Que mettre en place la prochaine pour y avoir des problèmes dans la rue. Comme vous comprenez. Et une ligne, toute revendication, ça va. Nous comprenons, c'est des revendications qui sont mais même employés, même fonctionnaires ont des revendications, tout parce que vous voulez l'assurance a existé dans l'État encore. Vous ne faites pas la paix de chaque le groupe qui a un problème, le même ministre et le ministre, et même payer à couchement, c'est me faire dégager, les accidents faits, c'est me payer, l'emba là, directrice de cabinet, c'est le suivi tout, et le moment de vous mettre le contrat, c'est bon, il n'a même pas de l'arrivée. Ça a tout qu'on a blessé. Et pendant que le ministre, on a blessé, on a fait discussion sur lui, il y a des contrats d'État pour voir s'il a gagné une assurance qui est correcte pour fonctionner l'État. Alors, on ne peut pas parler au pire, on t'a supposé finir là. Par contre, si il y a des gens qui ont des questions, je vais vous répondre. Mais, ministre, tout ce que vous avez fait pour nous bien, nous, au contraire, laissez-nous que vous pouvez nous payer. Deux, faire une épuration correcte. Donc nous n'avons rien à payer dans les sites, voilà, que ce soit fonctionnel ou bien contractuel. Alors, on a dit que l'inspection générale qui promet la presse en particulier et le grand public là en général, que l'a mis au courant de toute évolution du dossier Zayo. Il s'agit du dossier du sénateur Kitler Augustin, l'artiste chanteur Jean-Jean Roosevelt. Le journaliste de Radio Caraïbe, Georges-Emmanuel Alain, et le dernier dossier, c'est
M. Patrick Benoît. Pour le dossier sénateur Kitley Augustin, on a commencé d'abord par lui-même. Son dossier fini. Début semaine prochaine, disons lundi ou mardi, l'a acheminé au directeur général, y compris les dossiers de l'artiste chanteur Jean-Jean Roosevelt. Donc, du dossier Sayo, nous finis. Dossier allemand, il est en phase de traitement, une phase très avancée, mais cependant, dans un petit retard qui est dû à la COVID-19 par rapport à effectif nous ici qui réduit, fait que d'autres actes qui pas qu'on fait sous lui, mais les principaux actes très importants sous dossier ça, ils ont fini. Donc, un petit temps, pas très lointain, la presse a beaucoup long de et conclusions et recommandations dossier ça. Maintenant, pour question dossier Patrick Benoît, voilà, ça a été arrivé 5 mai 2020 dans la zone Vivi Mitchell. Comme dit nous bien, dossier ça, son dossier judiciaire. Parce que il y a un juge de paix qui était accompagné des policiers. Et juge de paix, comme nous connaissons l'inspection générale, pas gagné autorité sur lui, pour la convoquer. Alors que l'important pour l'inspection générale, t'a entretenu avec sous question. Puisque l'identification policier qui était accompagné, c'est lui-même qui peut battre l'inspection générale. Toutefois, il y a des démarches comme faites avec CSPJ, qui c'est organisme de tutelle, pour être capable de faciliter l'entretien entre jugement et inspection générale. Et une fois que juge à l'inspection générale entretenu avec, l'a identifié ensemble de policiers qui étaient accompagnés le jour incident des produits, à ce moment-là, une enquête cap ouvert et la presse a beaucoup courant de tout déroulement. Gagné deux dossiers qui font surface. Il s'agit premièrement de vos citoyens qui sont victimes lors de nos affrontements avec la police et des bandits qui étaient sous moto, qui étaient armés. Bandits Sayo dans la zone Delma 32, ils étaient tirés sous patrouille police. Les policiers ont riposté, ils étaient quatre. Malheureusement, il y a un citoyen parmi eux qui mourit et que famille a porté plainte le mardi 26 mai dans l'inspection générale. Et normalement, il y a une enquête qui est ouverte pour être capable, premièrement, de déterminer, un, dans quelles circonstances, nous pas dit que lui lié avec Bandio, mais c'est pendant échange de tir qu'il est mort. Comme une enquête judiciaire qui a mené cette question, eh bien, depuis le résultat sorti, on a fait la presse qu'on est. Mon dernier dossier, on a parlé de lui, qui c'est une dame qui était dans la zone Champ-Mars, qui était victime de brutalité policière à travers les réseaux sociaux, tout le monde a regardé. Malheureusement, l'inspection générale n'a pas gagné l'identification d'Amza. Il a cherché des éléments qui sont capables de permettre d'identifier. Et une fois que l'identifié d'âme et gagné une plainte formelle qui poutait, et à ce moment-là, gagné une enquête cap ouvert pour être capable non seulement déterminer les policiers indexés et les cas échéants, prendre des mesures disciplinaires appropriées. Et l'inspection générale, du même coup, a travaillé sur ensemble de dossiers qui est en cours de traitement. Malheureusement, avec le coup d'essence COVID-19 là, rythme travail là, les intigeants diminuent dans l'inspection générale parce que l'inspecteur général en chef là te prend une mesure pour réduire personnellement à 50% et monter en flèche COVID-19 là pour moi, mien, fait que les policiers n'ont pas compris moins, ils ont gagné, ils font un impact psychologique sur eux. C'est ce qui vient fait que ils réduisent jusqu'à 30% effectif de travail nous. D'où volume diminué. Donc c'est raison ça qui fait que ensemble de dossiers que l'inspecteur général a travaillé sur eux, pas déjà fini, mais nous dit déjà pour dossier sénateur Kitley Augustin, il finit et incessamment la peur
aller joindre hiérarchie, y compris dossier artiste Jean-Jean Roosevelt. Je profite pour une population. L'inspection générale est là pour veiller à ce que aucun membre de la population n'est pas victime de mauvais agissements de policiers. Mais nous sommes d'accord avec nous, dans toute société, toujours gagner des éléments déviants. Mais si un policier quelconque a présenté un tel comportement, l'inspection générale a saisi et la prend des mesures disciplinaires pour éviter de tels actes par reproduit. Parce que nous toujours dire, mission policière qui sait protéger et servir, eh bien, il faut qu'il fasse avec professionnalisme. N'a pas fini pour nous dire, tout le monde, depuis nous avons remarqué, gagnez-nous à quelconque qui est capable de demander intervention inspection générale, c'est-à-dire un acte qui tendant à violer les droits de l'homme, pas hésiter à relayer dans deux numéros que nous avons 22 59 11 11 22 60 11 11. Merci. On va prendre deux questions, Simona. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petit cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.